Le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a été interrogé par RFI. Il a affirmé que les relèves de la MINUSMA vont se poursuivre pendant une période de 4 semaines et vont concerner 3500 personnels. Les autorités maliennes de transition avaient suspendu les rotations des personnels militaires de la MINUSMA il y a un mois. Entre-temps, les modalités d'autorisation de ces rotations ont été rediscutées avec le gouvernement malien et les relèves ont finalement pu reprendre le lundi 15 août 2022. Interrogé sur le sujet, le chef de la mission El Gassim Wane a déclaré, je cite, « Effectivement, il y a eu une suspension des relèves de nos contingents et nous avons eu une réunion avec les autorités maliennes le premier de ce mois au cours de laquelle nous avons convenu des modalités de reprise des relèves de nos contingents. Ces relèves ont commencé, elles vont se poursuivre pendant une période de 4 semaines et vont concerner 3500 personnels entrant et partant, dont 7000 au total. C'est une opération extrêmement complexe qui implique évidemment les autorités maliennes et la MINUSMA ici, mais également notre siège à New York et les pays contributeurs de troupes. Une opération qui demande une coordination extrêmement étroite. Jusqu'ici, tout se passe bien. Il n'y a pas de besoin, ou du moins, il n'y a pas de raison pour que les choses ne continuent pas sur la même voie et que 7000 personnels qui sont affectés par cette opération puissent être déployés et redéployés pour certains dans leur pays d'origine, dont les délais prévus, a-t-il ajouté. Pour rappel, dans une note du ministère malien des Affaires étrangères qui l'a signalé, ou du moins qui l'a signifié à la MINUSMA, la junte a pris une décision avec effet immédiat. Toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, pouvait-on lire dans la note. Notons que la mission onusienne compte environ 15 000 militaires et policiers au Mali, fournis par une cinquantaine de pays contributeurs issus du monde entier. Le gouvernement de la transition a bloqué ces derniers mois la relève de 3500 membres des contingents de la MINUSMA.